Mesdames, messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce lundi 23 novembre 2020. Présidentielle 2020, Ouattara reçoit les félicitations de la Russie, de l'Égypte et des Comores. Peut-on lire à la une du journal Fraternité Matin? Pour rappel, le Conseil constitutionnel a confirmé les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier à la suite de la proclamation de la Commission électorale indépendante. Rupture unilatérale du dialogue politique, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix dit non au chantage de Bédié, nous dit le Patriote à sa une. Pour Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole du RHDP, la main tendue de Ouattara n'est pas une faiblesse. Plus de détails dans le Patriote. Nous avons grandi ensemble et nous évoluons toujours ensemble, main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Sidi Diallo, président de la Fédération Ivoirienne de Football, est décédé le samedi 21 novembre 2020. Adieu et merci très cher. Grâce à Dieu, titre le journal L'Intelligent d'Abidjan. Le quotidien rend hommage au président de la Fédération Ivoirienne de Football. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.